What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his French rap time. So if y'all new, hit the subscribe button, like, comment down below, follow my Twitter, IG, all that stuff. Look, we back with this El Medino. Y'all mess with this channel heavy. He just dropped this. So yeah, get your ass out. Prepare. This finna be a crazy episode. This finna be a crazy episode. Let's see. Get this like 100 likes, 150 likes, please. Please hit the like button. I just realized likes be helping. So these couple of days, I'm going to be stressing on the likes. Can y'all please hit the like button and abonne, please? I appreciate it. Look at me. I'm liking it. Can y'all like it, please? Comment, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de me faire honte, mon frère. Si je t'ai organisé un rendez-vous, tu fais quoi, là? Hein? Il nous a pissé dessus. On n'a plus d'honneur. Il va faire quoi, maintenant? Il va nous tuer parce qu'on est que des fatigués. Hein? Je t'ai pas reconnu, Tony, parce que Tony d'avant, il parle pas. Celui qui nous casse les couilles, on l'enterre. Il veut manger dans notre charbon, on va le but, mon frère. Tu sais comment ça se passe. Où tu avais un charbon, ça se négocie, où je lui dis, je vais réfléchir. Tu réfléchis pas. Depuis que tu es sorti de prison, je t'ai pas reconnu. Hein? Tu sors de prison, tu me ramènes ces caméras, tu me parles de clips. T'arrives quoi? Tu es parti en prison, qu'est-ce que tu es devenu, là? Tu veux quoi, là? Tu cherches quoi? Qu'on lui met une balle dans la... You're finna be watching these, but remember, stay inside. Stay inside. Keep going to school, that legal grind, that legal money. Yeah. I'm on y'all. We be watching this to see what's going on in the world. But we is grinding that legal bag. That's what I be telling y'all. Hop on YouTube. Some of y'all lazy. Let's see though. Après quoi? Let's see. On se retrouve en guerre avec toute son équipe? On se retrouve à charcler tout le monde, nous aussi. C'est ça que tu veux? Comme ça, on prend 20 ans, on se retrouve nous à la morgue. 20 ans, je m'en bats les couilles. La guerre, je m'en bats les couilles. Je la fais, c'est nos vies, ça qu'on a choisi. C'est aujourd'hui que je te réveille. Hein? Tony, c'est la guerre. Oh. Légende de rue, épisode 32. Alliance de Yoda versus DZ Mafia. La guerre sans limite des quartiers nord. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue, nous allons parler de la guerre monstrueuse qui fait rage dans les quartiers nord de Marseille en 2023. Cet épisode peut être considéré comme la suite de l'épisode... Yo, is Marseille going that crazy, bro? Can just make a whole channel about just Marseille? I'm just starting to realize this. Bro, just make content about Marseille. Does Marseille go that crazy? Bro, doing vids just about Marseille? Y'all gotta tell me how many people are there in Marseille. Because I was Googling like the population of France and stuff. But y'all gotta tell me, how many people does Marseille have? Because bro just making content about Marseille and they're going crazy. I just realized this. C'est donc sur la guerre de la paternelle. En effet, cette guerre ne se limite désormais plus seulement à la pater. Elle s'est complètement répandue à toute la ville de Marseille, tel un virus. Répandant la mort, la terreur, et la désolation partout où elle passe. Cette guerre est probablement la guerre la plus violente que nous ayons jamais vue dans toute l'histoire de Marseille, car, la majorité des victimes sont des personnes innocentes, qui se trouvent... Oh no. Oh my bad, I scrolled up. No, stay inside, look, this is what I be telling y'all, stay inside. Stay inside, because innocents be getting hit. That's why I be telling y'all, don't even take the risk, bro. Don't even take the risk. That's why I don't be even like going to clubs, concerts. I don't like going to places with a lot of people, bro. Because innocents be getting hit, bro. Innocents be getting hit. That is crazy. Voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment, une guerre menée par des barbares, sans foi ni loi, et qui ne connaissent rien d'autre que la violence, avec une énorme quantité d'acteurs liés au grand banditisme marseillais. L'alliance de Yoda contre la DZ Mafia, voici leur histoire. Let's see. Y'all realize I stopped cursing a lot? Y'all realize? Let me know if you realize. The N-word too? Tout d'abord, si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez que, depuis le début de l'année 2023, une guerre a éclaté au sein de la cité de la paternelle entre les deux fours les plus rentables du quartier, le four de Yoda et le four du Maga. La raison que j'ai évoquée comme étant à l'origine du conflit était que,
Les trafiquants du MAGA avaient accusé ceux de Yoda de collaborer avec la police, mais ce n'était en réalité pas la vraie raison. Justement, cette situation découlait en fait d'une autre raison beaucoup plus futile. Effectivement, la vraie raison de la guerre est que, croyez-le ou non, mais, un des patrons du MAGA a reçu un glaçon dans la tête, lors d'une soirée en boîte de nuit en... Look what I be meaning. Look what I be meaning, bro. Something little as this. I just said, I don't like going to parties. I don't like going to events like that. They be fun. The women be cool. It be fun. But I don't know, bro. When there's too many guys, tough guys around, I want to say the N-word, too many, yeah, around, bro. It goes down. That's how I be chilling at the house with my women, with my girl. I think that's the vibe, because these events, bro, look what finna happen. Somebody finna get mad, shoot up the whole club. Innocence getting hit. This what I be meaning, bro. This is exactly what I be meaning. Par une personne de l'entourage de Yoda. What? Lors d'une soirée en boîte de nuit en Thaïlande, par une personne... What y'all doing in Thailand? Yo, I gotta watch y'all... Yo, what y'all... Nightclub in Thailand? Because y'all know what's going on in Thailand. Y'all know. I don't gotta say it. I do not gotta say it. Y'all know what's going on in Thailand. Watch out. I'm not going to Thailand for no parties. I'm not going to Thailand for no parties. No parties at all. No. L'entourage de Yoda, tout simple. I'm suspicious. When I touch down at Thailand, I'm suspicious. Et la personne qui a reçu le glaçon ne serait autre que Mehdi Larribi, alias Tik. Après avoir été condamné à 10 ans de prison pour sa complicité dans le triple meurtre des trois jeunes des Miku, Tik avait donc purgé sa peine, et il est sorti de prison vers deux. Look, bro, you don't know who you be messing with. You don't know who you be messing with. 2021. Cause look. If bro didn't have that Kalashnikov in his hand right here, if bro didn't have that Kalashnikov, y'all see. I'll be learning. Yo, if bro didn't have this in his hand, bro would look like a normal person. Let's keep it 100. Bro would look like a normal dude walking down the street, right? This is why you don't know what people go through. You don't know. You threw the ice, it hit bro. You thought, Bro ain't about nothing. And then you see. Don't judge a book by its cover. Don't. Dès sa sortie de prison, il est malheureusement retombé dans ses travers. En effet, la sortie de prison de Tik est clairement une des causes de la guerre de l'été 2021. Il travaillait notamment avec le clan de Marignane afin de récupérer des fours dans Marseille. Et, avec sa nouvelle équipe, il a réussi à récupérer le point de deal du MAGA en septembre 2021. Tik fait donc actuellement partie des patrons du point de deal du MAGA, et ces derniers se font surnommer la DZ Mafia. Voilà pourquoi il y a un fennec de l'Algérie tagué sur le point de deal du MAGA et de Bassins. La DZ Mafia se compose donc de Tik, d'un autre trafiquant de drogue de Bassins nommé La Brute, d'un autre trafiquant nommé Moustique, des deux démons des Mikokouliers Mami Negavi, et d'un autre trafiquant de drogue nommé Le K. If this information be facts, how bro getting this information? He was telling me this was like generally known info, kinda. If you in that world, I would say if you in that world and you in that news, you would know this. So this kinda like public info, kinda, not really, but people know about this basically. De base, la DZ Mafia c'était principalement Tik et La Brute, qui sont originaires de Bassins, mais désormais ils se sont alliés à Mamine et Gabi, qui sont des Mikokouliers, et Oka, qui lui est originaire des Carmes. En effet, le K, alias Scarface, était l'ancien boss de la bande des Carmes, mais il est désormais du côté de la DZ Mafia. L'alliance de la DZ Mafia possède le point de deal du MAGA à la paternelle, le point de deal de Bassins, le point de deal de Caliste, le point de deal du Castellas, le point de deal des Égalades et d'autres. I gotta translate this part for me. Is this right? Bassins. Let's go back. DZ Mafia possède le point de...
d'île du Maga à la paternelle. Fiji owns the point of the island of Maga. Le point de deal de Bassins, le point de deal de Caliste. What do they mean with the point? Let me know down below in the comments what they meaning. I appreciate it. Some of y'all be actually telling me I appreciate it, bro. I appreciate it, really. I appreciate it. Le point de deal du Castellas, le point de deal des Égalades et d'autres. Kalashkin, of course. Them Kalashkin, of course. Yeah. Don't play around. Don't play around. Don't play around. You'll find out. Don't play around. You'll find out. Real quick. Real quick. Stay inside. Stay inside. Oh my goodness. Stay inside. Yeah. Du côté de Yoda, les véritables boss de ces derniers. What they mean with the point? Let me know what they mean with the point. Niés sont la bande des Carmes. En effet, un membre des Carmes surnommé le Chat est l'actuel boss de la bande, tout comme Mookie et des SK, qui sont eux aussi les patrons des Carmes. De plus, la bande des Carmes est alliée au Z, qui est le patron de la Cabucelle, à Bobot, qui est le frère d'un défunt Sonny, à Boko, et ils se sont également alliés à Barabbas. Cette alliance possède donc le point de deal de Yoda à la paternelle. That's like the point, the meetup spot, the point, basic. Explain it to me, but I kinda get it. I kinda get it. Cette alliance possède donc le point de deal de Yoda à la paternelle, le point de deal de la Busserine, le point de deal de Félix Piat, un point de deal à la Sauvagère, et d'autres. Voilà pour les deux camps qui foutent un gros bordel en ce moment à Marseille. Les meurtres et fusillades que vous voyez sont en rapport avec ces deux alliances. Les Yoda et les Maga s'affrontent pour le contrôle. Yeah, they marking the territory. That's what they mean with the point that they marking. Cause look, I've been doing this at El Medino, and I'm starting to see it's like turf war. It's like turf war. People like some. Like they're trying to get the turf, that space, take it over. You know what I'm trying to say? And yeah, if you don't give it up, it gets vicious. As you see, it gets vicious. Tous les meurtres et fusillades que vous voyez sont en rapport avec ces deux alliances. Les Yoda. Bro playing a little. Avec ces deux Bro alliances. Bro playing a little. Yeah. Got to little Rihanna. If little didn't take my music down. I swear I would have reacted to this song. Roleplay Lido, that's crazy. Et les Magas s'affrontent pour le contrôle des quatre points de vente de la cité. On appelle ça les fours. Cannabis, cocaïne. Les fours peuvent rapporter jusqu'à 100 000 euros par jour. Donc, après l'histoire du glaçon en boîte de nuit, la situation a dégénéré, des gens qui étaient alliés sont devenus ennemis, et... Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il y a eu des séries interminables de fusillades entre les deux gangs, des gens battus à mort, des grenades, etc. Dans l'épisode précédent, je m'étais arrêté à la fusillade du 4 mars, où un jeune a été rendu handicapé par une balle au microcoulier. Quelques jours après cela, la DZ Mafia est partie tuer et brûler un homme dans la cité de la Busserine, la cité... Yo. ...contrôlée par la bande des Carmes. Il y a une vidéo du jeune... They recorded it? What is going on? What is going on? Décédé, mais elle est bien trop violente pour la mon... Yeah, but El Medina, you be putting links. Don't I be telling y'all, I know, bro. Bro be putting the links down below. I didn't even watch this. I just know, bro. Donc je ne vais pas la publier, ni ici, ni sur Telegram. Okay. Because last time, my apologies. Because last time, I don't remember what happened. But bro was saying kind of the same story. Bro was saying... This is too violent, blah, 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 blah. But here's the link.
But no. He said no link. But that's crazy. That fire, that's crazy. Ce soir, donc je ne vais pas la publier, ni ici, ni sur Telegram. R.I.P. Ryan. That's crazy. Ensuite, les fusillades vont s'enchaîner durant tout le mois de mars. Il faut savoir que la majorité des personnes qui meurent sont des personnes du camp de Yoda, tuées par la DZ Mafia, comme le jeune gérant originaire de Paris qui sera tué et abandonné pendant 2 jours sur le point de deal de Yoda le 26 mars. À la fin du mois, la DZ Mafia, notamment l'équipe de Mamine, va aller tirer sur un guetteur dans la cité de la Busserine. Le jeune sera entre la vie et la mort. Mais la DZ Mafia ne va pas s'arrêter là, et va continuer de s'acharner sur l'alliance de Yoda. Yo, this is crazy, this is a war zone. This is going crazy, bro, this is going crazy. This is going crazy, bro. Yo, I didn't know this. Yo, I swear, before this YouTube stuff, I did not know this, bro. I did not know friends got like this. I swear, my folks, I be telling them, nobody believe, bro, this is crazy. Z Mafia ne va pas s'arrêter là et va continuer de s'acharner sur... He thought y'all all ate, what's that thing? Croissants and tea and chilled out. We thought all y'all did was eat croissants and chill out. Y'all go crazy. Alliance de Yoda, ils vont donc aller tirer sur des innocents dans une alimentation de la cité de Félix Piat. Voici une vidéo de personnes présentes dans une chicha située proche du lieu de la fusillade. Ooh, y'all saw, bro. Bro, like clutching, bro, it's like clutching. Look at bro. Look at yeah. Oh, this what I mean. Look what I mean when you could be going places with a lot of people. Look, everybody upon you now. Stay at home. Get your shorty and stay at home, or just grind. Get on that grind. Cause you can't be doing this, bro. You can't be doing this. Look at you now. You could have avoided all of this. And is there only guys at this? Look at this sausage fest. Un jour après la fusillade de Félix Piat, l'alliance de Yoda va répliquer et va envoyer des tireurs à les rafaler dans 2 cités appartenant à la DZ Mafia. Tout d'abord, les tireurs vont se rendre dans la cité du Castellas et vont tirer sur un groupe de personnes au hasard dans la cité, Tarek. No, they crazy. Qui est un jeune qui sortait de la mosquée, et Ahmed, qui est un chauffeur-livreur, sont tous deux atteints par plusieurs balles et décèdent. Un autre jeune aura la jambe explosée par une balle de fusil à pompe. Et 3 autres jeunes seront blessés. Le commando poursuit ensuite sa route vers une autre cité, celle des Égalades, et ouvre le feu sur 6 personnes se trouvant dans la cité. Heureusement, aucun d'entre eux ne va décéder. But what? Bro, y'all realize how crazy this is? Nah, y'all gotta explain in the comments. Cause this not making no sense. Sont tous deux bro. Atteints par plusieurs balles et décèdent. Un autre jeune aura la jambe explosée par une balle de fusil à pompe, et 3 autres jeunes seront blessés. Le commando poursuit ensuite sa route vers une autre cité, celle des Égalades, et ouvre le feu sur 6 personnes se trouvant dans la cité. Heureusement, aucun d'entre eux ne va décéder. Un peu plus tôt, c'est dans la cité du Castellas que les premiers tirs ont retenti. Un feu nourri qui a tué là encore 2 hommes de 21 et 23 ans et blessé 6 autres personnes. Ce matin, les habitants oscillaient entre le choc et la lassitude face à l'enchaînement de ces règlements. Selon Ibrahim, habitant du quartier, les tueurs ont tiré sans cible précise pour semer la terreur dans la cité.
quand je suis descendu, c'était la guerre. C'était vraiment comme du terrorisme. J'ai vu le jeune par terre, donc je voulais très bien. I be telling y'all do not do this. I be telling y'all do not do this. I be telling y'all no. I be telling y'all please do not get on the news. We talk to nobody. If your mom finna do this, your auntie, your uncle, your dad, somebody you know, tell them no, please, please. Tell them do not do this. Tell them no. Tell them no. Even if they blur their face, change their voice, tell them no. Tell them do not do this, bro. J'ai vu un autre jeune. I be telling all my family, all my friends, do not do this. Do not do this. Do not go on TV, go talk about the crime. No, do not do this. Que je connais, on envoyait de partout, on savait plus où mettre les yeux ou regarder. Après ces deux fusillades extrêmement violentes, la DZ Mafia ne va pas perdre de temps pour répliquer. En effet, à peine une heure après, un tueur à gages de 18 ans, employé par la DZ Mafia, va se rendre dans le quartier de la Joliette et va tirer sur trois adolescents se trouvant devant un snack nommé chez Hamza. Le plus âgé des trois va décéder immédiatement, le deuxième va recevoir une balle dans la tête et sera gravement blessé, et le troisième sera légèrement blessé. On ne sait pas si ces adolescents ont réellement un rapport avec l'alliance de Yoda, dans tous les cas, c'est bien à cause des fusillades du Castellas et des Égalades qu'ils ont été pris pour cible par... Yeah. That tic-tac, 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 yeah, it's crazy, stay inside, bro, stay inside. If your brother, your cousin, somebody you know going crazy outside, tell them, stay inside, bro, tell them this, don't do this, and if they doing that, tell them, stay far from you. Because you're not like that. You're not like that. You stay inside. So if they like that, tell them. You gotta distance yourself, bro. You got to. You gotta distance yourself. Les Z Mafia. Nuit la plus meurtrière que Marseille ait connue depuis longtemps. Trois fusillades, trois morts, sur fond de trafic de drogue. Sur ce trottoir d'un quartier près du port, ce sont des adolescents qui ont été pris pour cible vers minuit par des hommes en voiture. Un jeune de 16 ans est mort. Son corps est emmené devant ses proches, dévastés. Deux autres... Son corps est emmené devant ses proches, dévastés. Dang, your mama got a seed. Oh my god, bro. This is... Bro, cause I be feeling for the moms, bro. Look, bro, this is sad. This is sad. Deux autres adolescents de 14 et 16 ans ont été blessés. Look at the ages. Look at the... Look at these young folks. Ages. Quelques jours après ces terribles fusillades, la brute, qui est un des boss de la DZ Mafia, va violemment se faire tabasser par plusieurs individus dans la prison de Luynes. Il aurait été salement amoché. Cependant, la brute ne va pas laisser passer ça, et, à peine quelques temps après qu'il se soit fait tabasser, cinq fusillades vont éclater un peu partout dans Marseille. Selon les rumeurs, c'est la brute qui aurait fait abattre la foudre sur ses ennemis pour se venger de s'être fait tabasser. La DZ Mafia va alors tirer sur tous ceux qui sont affiliés de près ou de loin à l'alliance de Yoda. Ils vont tout d'abord tirer dans la jambe d'un jeune de 15 ans dans la cité de Félix Piat. Ils vont ensuite tenter de kidnapper un homme dans le quartier de Chartreux. Ils vont ensuite tirer dans le quartier de la Busserine sans faire de blessés. Ils vont ensuite tirer dans la cité de Consola. Ils vont ensuite tirer sur trois jeunes se trouvant dans un parking, en train de manger une pizza, dans le quartier de la Belle de Mai. D'entre eux, Samir, sera malheureusement tué, un autre sera gravement blessé, et enfin, pour finir, ils vont tirer sur la porte d'entrée de la mère d'une personne faisant partie de l'alliance de Yoda. Il y a une vidéo de cette fusillade, elle sera postée sur mon Telegram. L'ont traversé ces murs de béton. Au sol, plus d'une quarantaine de douilles. Is y'all watching that on Telegram? Let me know down below in the comments. Do y'all be going? Do y'all be going on the Telegram links? Let me know. Do y'all be? Let me see what y'all be doing. Let me know down below in the comments. Armes de guerre. Cette nuit, dans ce garage du 3. I'm not watching that. I cannot. So I don't get why some of y'all want to see that. So well, let me know. De Marseille, let me know. Trois personnes ont été victimes. Tell me why do you like seeing that? Why do you like seeing violence? Let me know. L'une est décédée. Parmi les victimes,
le fils de cet habitant du quartier grièvement blessé. Ouais, ouais. Dans ce garage du 3e arrondissement de Marseille, trois personnes ont été visées. L'une est décédée. Parmi les victimes, le fils de cet habitant du quartier grièvement blessé. Il est sorti de la maison et comme il est sorti, même pas 20 minutes, 30 minutes après, un frein à main, il est sorti le gars et il commence à tirer. On a attendu les détonations et après c'est là qu'on est parti, moi, ma famille, ma fille, qu'on est sorti. Selon le parquet, les victimes sont inconnues des services de police pour des faits de stupéfiants. Un traumatisme pour les riverains désabusés. Cette jeune voisine a tout vu. Le corps là. L'autre, il était allongé où il y a la couverture. Il criait « Ah, j'ai mal, j'ai mal !» Ben, on ne savait plus quoi faire. Moi, j'étais là, je touchais les balles avec mes pieds. J'ai vu ça, je suis vite sortie dehors parce que c'est vraiment choquant à mon âge. Ça fait vraiment peur. Lady, why is you talking? You live around there. You live right... I know you live right around there. I know you live in those apartments. I know you live right around there. They... Why are you talking on TV? Marseille, c'est devenu la jungle. Des fusillades en série. That's why y'all be telling me. Marseille go crazy. Et 5 ont éclaté à quelques heures d'intervalle. Une première, cité Félix Piat, blessant un adolescent de 15 ans. Puis des coups de feu dans 4 autres secteurs. Bilan. Marseille is big though. Look. Let me tell you. Let me remind y'all. I'm from the islands. So every country is big to me. Every place is big. When you only got like 150,000 people on your island, bro. Every place is big. Every place with millions of people is big. So yeah, I think even Marseille is bigger than my country, bigger than my island. I ain't even gonna lie to you. How many people do Marseille got? Let me know down below in the comments. Et 4 blessés. If it's more than 200k, yeah, Marseille got more people than my island. That's Une crazy. Nouvelle flambée de violence, 10 jours après 3 autres fusillades. 3 personnes sont mortes, dont un adolescent de 16 ans. Des victimes d'une guerre de plus en plus agressive entre les narcotrafiquants, selon ce syndicat de police. Au cours d'une seule nuit, la ville de Marseille a de nouveau connu un déferlement incroyable de violence. Samir, le jeune tué à la Belle de Mai, n'était qu'un innocent, tout comme la mère de famille qui a vu sa porte d'entrée mitraillée. La DZ Mafia sont des véritables démons, ils ne font aucune différence entre les voyous et les gens normaux. La nuit suivante, de nouvelles fusillades vont éclater. Tout d'abord, des hommes armés ont tiré dans un parc. That's scary though. That is scary. That's what I be telling y'all. Stay inside. Just stay inside, bro. Just stay inside. Situé dans le 10e arrondissement. Ensuite, dans la cité du Mail, un commando a ouvert le feu en direction du point de deal du quartier. Un homme de 33 ans a été blessé par balle. Et enfin, dans la rue de Lyon, un commando a déboulé et a ouvert le feu dans un bar où se trouvaient 4 personnes. Heureusement, personne n'a été blessé. Aujourd'hui à la paternelle. More devastating news, El Medino. More devastating news. Oh my God. Il ne reste désormais qu'un seul point de deal, celui de Yoda. Les autres points de deal, notamment celui du MAGA, ont tous fermé, comme vous pouvez le voir sur ce graffiti de Yoda recouvrant celui du MAGA. Et voilà où se termine pour le moment la guerre des trafiquants de drogue monstrueuse et de 2023 à Marseille, une guerre très loin d'être terminée. Cette histoire nous apprend que, comme a dit un ancien trafiquant à une journaliste, dans le monde de la drogue, l'État n'existe pas, le seul État qui existe est celui des quartiers, ces personnes suivent leurs propres lois, leurs propres règles, et ne considèrent rien d'autre, que ce soit les lois de la France ou les lois religieuses, cela ne les concerne pas. Il suffit de voir la période dans laquelle on est, c'est-à-dire, en plein Ramadan, et pourtant, c'est... I be forgetting. It's still Robbie forgetting. Yo, y'all is wilding. Y'all got like 4 more days left. Today is 18th. Y'all told me it ends like 22nd, 23rd. Y'all is wilding. C'est une des périodes les plus sanguinaires que l'histoire de Marseille ait connue. C'est devenu ban. So what, the shooter's not fasting? Is the shooter's fasting? Because... I'm not even trying to be funny. But is the shooter fasting? Is these shooters shooting on an empty stomach? Okay, now I'm joking. The lad, now I'm joking. At first I wasn't joking though.
de voir 3, 4, 5 fusillades par jour, comme je l'avais dit dans... Come on, I had to crack a joke. I had to. Come on, y'all know me. Y'all know me. I like joking around. My bad, my bad. Les précédentes vidéos, certains quartiers de Marseille sont devenus irrécupérables, même si l'État décidait de raser toutes les cités du jour au lendemain. Ça ne réglera pas le problème, tant qu'il y aura de l'argent en jeu, le sang va continuer de couler. Et dire que tout ça a commencé à cause d'une histoire de glaçons, je n'ai rien d'autre à dire de plus que repose en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. R.I.P. R.I.P. to all those folks. That's crazy. Yeah, put those names, put those names. Yeah, yeah, yeah. If you enjoyed this though, stay inside. I hope I spark something in you to get on your grind, stay inside, get on your ish. What else? Watch my shorts, subscribe to my second channel, Twitter, IG, all that stuff, and I'm out.